Dans le dernier moment d'un combat de boxe, la question de survie est un paradoxe. Aussi, dès qu'il s'en va au combat, je prie pour qu'il revienne à moi. Ça y est, à la télé je le vois, il est dans son habit de scène, son peignoir, la cloche sonne, il est seul ce soir. Mon cœur bat, le désespoir. Être femme d'un homme spécial, acclamé, détesté, peu égal. L'important c'est qu'il rentre chez lui, je l'attends comme une enfant en folie. Mon ring à moi, c'est ma maison, je dois m'armer de compassion. Attendre l'instant, la décision, je crève de peur, le temps est long. Mes 400 pas, lui, monte au front. Vivement le retour du champion. Vainqueur ou pas, il reste mon homme. J'attends nerveuse le téléphone. Être femme d'un homme spécial, acclamé, détesté, peu égal. L'important c'est qu'il rentre chez lui, je l'attends comme une enfant en folie. Les coups de poing. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'homme d'un cogneur. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'homme d'un cogneur. C'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs. Juste être l'ombre d'un cogneur. Être la femme d'un boxeur. Détester sa gloire, ses honneurs. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur.